Comment nous y est, nous comptons rejoindre nous sous Chanel Panouan, dans des causes, nous connaissons l'objectif, nous c'est informer nous, c'est qu'on nous en alerte sur ce qui a passé dans le pays d'Haïti. Nous connaissons gros problème qui gagne, mes amis, donc un bail qui est vraiment triste. Donc c'est un tremblement de terre, un gros tremblement de terre qui passait et puis qui ravageait en pile ville dans le pays d'Haïti. Donc nous soulignons ensemble avec Zami nous, et frère nous, comment y est? Mon frère, je ne dis pas en forme non, parce que Jean ne va pas prendre la nouvelle. Ville a frappé pour un tremblement de terre. Mais je ne Ok, c'est bien. Donc nous tendons tout, ancien sénateur et puis ancien maire ville de Kaila li mouri. Est-ce que ou même ou ka confirmer ça? Oui, effectivement, et nous confirmer l'information hein, à travers quelques collègues nous et dans la presse qui partagent avec nous des images et des témoignages tout. Donc c'est confirmé et ancien magistrat au Kaila et c'est m'ka fait un petit résumé qui par une biographie de ancien magistrat et il était député Villa, député commune Caille-Lavache, qui c'est une circonscription qui est un député. Et puis après ça, il était candidat pour le Sénat de la République. Donc il était venu sénateur. Et puis après, il a fait un mandat et il était troisième sénateur pour le département sud. Et puis après ça, il était candidat pour magistrat, pour maire de Caille-là. Et il était remporté l'élection. Bien que après en pile manifestation en pile tractation politique te fait monsieur était obligé démissionner côté la cartel côté de celle qui démissionnait l'autre deux membres étaient toujours été en fonction et bon, comme nous connaissons son pays des autres nous gagnons et puis après quelques temps le président Jovenel Moïse s'est nommé un cartel tout neuf. Donc ça c'est pour nous faire un petit résumé et tout simplement de parcours politique Jean-Gabriel Fortuné. Et nous devons noter tout que Jean-Gabriel Fortuné était toujours dans le dos des derniers présidents qui passaient là. Il était dans le dos Joseph Michel Landelli, ancien président PIA, et il était conseiller, pour ne pas dire proche conseiller, ancien président Jovenel Moïse qui était mort assassiné et dans la condition que nous tous connaissons. Donc, magistrat ou bien ancien sénateur, Jean-Gabriel Fortuné était une figure politique grand sud. Là. Ou pas qu'il y une réunion politique. Nan grand sud là pour pas inviter Jean-Gabriel Fortuné et ou pas ka gen une décision politique quoi prend qui pral peut-être gen influence ou bien impact sur grand sud là pour pas contacter ou bien consulter ancien sénateur Jean-Gabriel Fortuné. Donc c'est un perte, c'est vrai que opposant politique yo beaucoup fait aucune réaction pour souhaiter condoléances à sa famille et ancien sénateur. Mais c'est sûr que ça a touché classe politique haïtienne, hein? Ça a touché tout le monde. Et c'est une perte pour la ville de Kay et pour le Grand Sud qui, définitivement, papa, par contre, qui j'en ville là, on y a pour aller au courant, bien représenté dans des grandes décisions qui viennent pour le pas. Donc, c'est comme ça. Et l'autre perte à signaler, et, donc, bien que y a une perte en vie humaine qui faut confirmer, c'est au niveau de l'évêché de Kay. Évêché et pour monde qui pas trop connaît immeuble ça au fait c'est comme si c'était palais résidentiel tout évêque tout prêtre vous comprenez qui a fonctionné dans la ville là qui a fonctionné dans le département. Donc c'est comme ça et immeuble ça il est tombé, on se confirme là avec Dinawem et immeuble a tombé. Il y a un mec qui fait comprendre qu'il y a un prêtre qui était en service, qui était dans l'immeuble là. Et l'immeuble a tombé sous. Il y a d'autres monde qui ont travaillé dans l'immeuble ça tout. Et bon, malheureusement, qui piégé en bas évêché au Kaila, qui situé exactement à côté de place là. Hein, à côté de place là. Dès qu'on a place d'Amdekay, ou à Boué et l'immeuble. Son immeuble qui vraiment imposant au KOL sans problème. L'immeuble ça lui tombé plat. Et l'autre perte ou bien l'autre immeuble dans la ville là qui subit gros dommage, c'est un immeuble qui était collé bibliothèque municipale au Kaila qui tombé. Vous comprenez? Et actuellement ville là commencé on tient à comprendre impact comme le monde de terre.
Kounya moun yo commencé à compter mort. Par exemple, gen yon maison habitable qui situé tout près et radio Télémakaya qui nan rue Vieil et immeuble ça situé exactement face Makaya, li tombé gen deux ti moun ki piégé nan immeuble là. Lè nou te passé a te gen yon yo te gen tan récupéré kòl pou san vi. Donc de temps en temps, il y a plus d'informations qui sont sur qui est mort, qui est mort. Et ça, moi, j'ai constaté et m'a partagé avec tout le monde qui a suivi dans les causes. C'est que c'est une ville et nous pouvons raconter qui est le monde qui est mort. Mais peut-être que c'est énorme. Peut-être que c'est énorme. Je vous ai partagé le matin avec vous. Il y a trois gros hôtels dans la ville qui sont tombés. Il y a l'hôtel Le Banguier, côté ex-sénateur Jean-Gabriel Fortuné, qui a perdu la ville. Ensemble avec quelques employés et quelques collègues de travail, gagne tout hôtel Caïmi Créole qui tombé plat, un hôtel qui était gagne deux étages puisque rez-de-chaussée a hôtel là tombé plat et gagne hôtel Petit Pas qui était un hôtel et puis qui était un shop tout et qui c'est un immeuble encore une fois imposant mais façon était construit et toujours et baïté casse. Donc immeuble ça est tombé et c'est sûr que et dans les tremblements de terre là qui passé a te gagne monde qui t'a travaillé. Te gagne monde qui t'a travaillé dans immeuble ça yo et même j'aime souhaite partager information avec nous évêché Okay tombé plat, c'est sûr que te gagne monde, te gagne prêtre qui en dedans parce que c'est maison habitable tout père monseigneur évêque et qui des passages qui a fonctionné dans département. Donc okay. en gros c'est toute information ça, on va connait si vous-même ou gagne des questions. Oui, moi gagne quelques questions pour vous. C'est d'après vous-même, combien de monde qu'on sort penser qui ca mourir parce que nous connaissons l'état qui doit bail quantité de monde qui mourir, mais d'après ça que ouais, combien monde nous penser comme ça qui mourir dans gros catastrophe naturelle ça. Donc moi-même personnellement si m'ta si par exemple protection civile contacté pour moi peut-être essayer aider ou dans contrôler et quantité de monde qui mourir. Je confirme personnellement, ça c'est pas même qu'à compter, dans le chiffre qui a sorti là, pour qu'il n'y ait pas de 10 personnes qui mourent. Je confirme qu'il y a au moins 10 personnes qui mourent. Des gens qui ont moins de cadavres, qui mourent, qui me confirme qu'ils mourent. Mais c'est sûr que si nous prenons information ça, et nous essayons de traiter des échelles qui zouit pour nous augmenter la quantité d'immeubles qui tombent et moun yo commencé moun qui piégé et moun yo commencé à récupérer par exemple hôtel tant hôtel Le Manguier peut-être dit me sauver hôtel ça li pa jam pa gen pou piti y a 5 clients là-dedans. Donc c'est sûr que si nous essayer faire un travail n'a pas gen tant gen plus, c'est sûr que chiffre au-delà de 100 morts, chiffre au-delà de centaines de morts parce que y a un immeuble qui t'a fonctionné. C'est des institutions, hôtel ça c'est des institutions qui baillent service. Hôtel Petit Pas surtout, là dedans gagne une radio et là dedans gagne un shop et puis là dedans tout gagne hôtel. Donc c'est des institutions qui a fonctionné et c'est sûr que a bien en pile mort dans institution là. C'est vrai que situation politique pays a fait hôtel pas trop fonctionnel, mais pour autant il pas fermé porte. Donc il y a des clients et c'est sûr que il y a des gens qui mourent. Et dans maison habitable, il y a des gens qui mourent. Et vécu au cas, il y a des gens qui mourent. Ça veut dire pour nous compter seulement morts, nous identifier dans la ville là, tant de causes, confirmer pour lui-même, avec le journaliste qui est sur place, une dizaine de morts. Ça nous confirme. Ça nous confirme, nous quand même chercher des informations, nous partager non nous. Mais si nous allons beaucoup plus loin, beaucoup plus haut, si nous avons élargi le cadre là, nous essayons de prendre en plus grande échelle, c'est sûr que, comme je disais ça, pour que nous puissions confirmer qu'il y a des centaines de morts. Parce que, le fait que nous confirmer que son tremblement de terre qui passait a une magnitude 7.2. Pendant ce temps, le tremblement de terre 12 janvier a été passé, et le tremblement de terre 10 janvier a été passé à une magnitude 7.0. Ça veut dire que le monétaire est beaucoup plus puissant. Okay. Donc, c'est okay. Sûr que de temps en temps, on a plus d'informations pour nous partager avec la population et nous avons été en contact avec les autorités concernées pour confirmer et qui mourit. C'est sûr que nous avons toujours des informations de première. Mais on va aller, bon, dans l'autre bagaille. D'après vous-même, est-ce que vous pensez que
la mort ancien maire Okaïla n'a pas gagné impact sur la question de justice Jovenel. Sans penser. Bon, là, ça, c'est une question qui est vraiment technique. Nous connaissons qui pression politique ex-sénateur Jean-Gabriel Fortuné a fait sur les autorités. Mais ça me répond de façon personnelle. Haïti, justice pas dépend de yon moun. Ça, c'est sûr que yon tigne doit peut-être interpeller sénateur là pour venir bailler des explications, des détails, comme il parlait en pile sur dossier là. Sous dossier là, mort président, il a peut-être, tu connais qui moun qui te fait le menace, donc tu as toujours étendu pour enquête. Donc, si c'est dans ce sens là, ça a un peu paralysé enquête là. Mais en gros, je pense que ça a trop gros impact. Rejoindre les auteurs intellectuels de crime.